commence à lui dire quelque chose. Seigneur, je suis le bon. Thank you.
Soyez bénis. Assurons-nous. Prenons notre Bible. Psaume 102. Nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 23. Lisons le verset 1 jusqu'au verset 23. Nous lisons la parole de Dieu dans Psaume 102, à partir du premier verset. Il est écrit: prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il reprend sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. Car dans mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme du tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat-huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Verset 9. Chaque jour, mes ennemis m'outragent et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain et je mêle mes larmes à ma boisson. À cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à mon déclin et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres. Ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre ta gloire. Verset 17. Oui, l'Éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Que de cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. Verset 21. Pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'ils publient dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem. Verset 23. Quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Pour servir qui? L'Éternel. Servir l'Éternel. On peut continuer? Verset 24. Il a brisé ma force dans la route. Il a abrégé mes jours. J'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Amen. Amen. Dieu soit loué. Bénissons le nom du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Le psaume 102, nous voyons que notre Dieu s'est levé, alléluia. Ici, il est question d'une personne qui est en train de crier de misère, un peuple qui est en train de souffrir, alléluia. Un peuple est en train de souffrir, mais ce peuple qui souffrait, la Bible dit que c'est un Dieu lui-même qui était en acte. Parce qu'à un moment donné, le peuple ne l'a pas bien adoré. Et a refusé de l'adorer.
Et Dieu va mener la vie difficile à ce peuple. Une vie compliquée. Et le peuple va se ruiner. Détruit. Alléluia. Amen. Ce peuple va se ruiner et détruit. Mais, bien-aimés frères et sœurs, ce qui était vrai, c'est que ce peuple-là avait des complications. Amen. Amen. La Bible dit, prière des malheureux et qui répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Alléluia. Le peuple, cet homme était dans une détresse. Et ce jour-là, il a dit au Seigneur, ne me cache pas ta face. Ne me cache pas ta face, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Peuple de Dieu, ce matin, je veux parler au cœur des hommes, au cœur des femmes. Il peut arriver un moment où un peuple, les jours de ce peuple peuvent sembler s'évanouir. On a l'impression qu'au fur et à mesure qu'on avance, les choses se dégringolent. Les choses se détruisent. Les choses deviennent difficiles. Alléluia. Amen. Vous avez connu la cité de Cana il y a un an de cela. Quand on faisait nos cultes, nos moments d'adoration et de louange, même si toute la salle n'était pas pleine. Alléluia. Mais on remplissait quand même. Alléluia. Mais depuis un certain moment, nous faisons tous le constat que les choses ont pris un coup. Vrai ou faux? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je peux le dire? Je n'ai plus de sommeil. Verset 8. Je suis comme l'oiseau solitaire sur les toits. Il arrive un moment où les hommes de Dieu, nous pensons, nous réfléchissons et nous nous posons la question, mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Alléluia. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il y a pour que les choses se passent ainsi? Alléluia. Chaque jour, mes ennemis m'outragent. Vous voyez, c'est une plainte. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Chaque jour, mes ennemis m'outragent. Et c'est pas moi que jure mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu du pain. Vous ne voyez pas que cette personne est en train de présenter sa misère. Alléluia. Je mange la poussière au lieu du pain. Ça veut dire que la nourriture même, il n'y avait plus. Les choses étaient tellement compliquées. Il dit quoi? À cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé de moi, j'étais au loin. Vous voyez, en fait, ici,
cette personne qui est en train de se plaindre est en train de faire comprendre que les ennemis l'ont assailli, les ennemis l'ont attaqué, les ennemis sont en train de le dominer, pas parce qu'ils étaient forts, mais parce que c'est l'Éternel lui-même qui l'a agité au loin. Alléluia. Amen. Mais en fait, ici, il était question du peuple de Dieu. Comme une seule voix qui était proclamée. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est une lamentation. Mais ce qui me plaît, c'est qu'au-delà de tout ce qui a été dit du verset 1 jusqu'au verset 12, écoutez le verset 13 maintenant. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Ça veut dire que ce peuple assailli, ce peuple dominé, ce peuple vaincu, ce peuple détruit, dans leur rue, reconnaissait Dieu comme toujours un Dieu d'éternité. Amen. À un moment donné, ce peuple a repris courage. Alléluia. Amen. Mais toi, Éternel, tu règnes en perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras. Tu auras pitié de Sion. Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Alléluia. Amen. Le temps fixé d'avoir pitié de Sion est à son terme. C'est arrivé. Dieu aura compassion de Sion. Amen. Dieu aura compassion de ce peuple. Amen. Que nous sommes. Vous comprenez? Et dans l'explication, vous comprendrez qu'il y a des personnes qui se sont livrées et qui ont décidé d'œuvrer pour la destruction de ce peuple. Alléluia. Volontairement, ils ont œuvré pour la destruction de ce peuple. Mais il y avait quelqu'un qui croyait encore en ce peuple et qui croyait en son Dieu. C'est tout un peuple qui avait des soucis. Mais c'est quelqu'un qui a pris la cause de ce peuple et qui est en train de parler. Ça veut dire que individuellement, chacun peut interroger le Seigneur pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur. Je crois que Cana ne restera pas comme ça. Amen. Amen. Moi, je vous promets ça. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je peux vous dire, il y a des moments où on ne sait pas ce qu'on a fait, mais on vit des choses compliquées, des situations difficiles. Tu avais un programme toute l'année, tu n'as pas prévu la galère dedans, tu n'as pas prévu des moments difficiles dedans, mais des choses viennent s'ingérer dans ton programme. Et c'est là que tu comprends que, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alléluia. Amen. Il dit, tu te lèveras, verset 14. Tu auras pitié de Sion. Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Et il dit quoi? Car tes serviteurs en aiment. Alléluia. Amen. Les pierres. Ils en chérissent la poussière. Alléluia. C'est que les serviteurs de Dieu ont commencé à côtoyer. La poussière est symbole même de rien. Alléluia. Amen. C'est pour cela que cette expression, tu es poussière, tu retourneras la poussière, vous dit que tu n'es rien. Amen. Qui est bien traité de la poussière? C'est quelque chose qui n'est pas considéré. Amen. Qui n'a pas de valeur. Vous voyez, il fut un moment où les serviteurs de Dieu ont été à ce niveau. L'église a été à ce niveau. Le peuple de Dieu a été à un niveau
Et chacun avait perdu espoir. Chacun commençait à dire, ah, en fait, Dieu là même, on ne comprend plus rien, mais franchement, il sait qu'il y a un problème, il y a ceci, il y a cela. Bien aimé, il peut ne pas forcément avoir des problèmes. Ce n'est pas forcément aussi le péché. Dieu peut permettre des situations pour éprouver ce peuple. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut que ce peuple-là comprenne que sans lui, ce peuple-là n'est rien. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu lui-même. Amen. Un matin, un homme, dans une famille, a eu une vision. Et dans sa vision, il a vu des gens. Alléluia. Amen. S'est incliné devant lui. Il a vu des étoiles s'incliner. Il s'est levé, il est venu expliquer ça à ses parents. Tout de suite, les parents ont compris que non. L'enfant sera élevé. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que ses frères l'appellent le faiseur de songe. Il s'appelle Joseph. Lui, quand il dort, c'est la gloire, il voit. Quand il dort, c'est l'élévation, il voit. Quand il dort, c'est la prospérité, il voit. Amen. Et quand il se lève, il raconte cela avec fierté. Mais un matin, on l'envoie pour aller donner la nourriture, s'acquérir des nouvelles de ses propres frères. Les frères ont dit, voici le faiseur de son qui arrive, tuons-le. Où est passée cette gloire, cette élévation qu'il voyait? On le prend, on le jette dans un puits. Le projet des hommes, pour quelqu'un qui avait des révélations de gloire, il y a des gens qui ont des projets de le tuer. Amen. Pendant que vous vous battez pour que l'église se remplisse, pendant que l'église aille de l'avant, il y a des gens qui se battent pour détruire ça. Amen. Avec des témoignages à la con. Excusez-moi peut-être. Tu es fatigué d'être quelque part, tu as quitté là, mais ne parle pas mal de ce lieu. Ne détruis pas ça. Les frères de Joseph se sont levés pour dire, ah bon, tu vas voir. Est-ce que c'était ce que Dieu montrait à Joseph? Mais Dieu aurait pu lui montrer que ses frères vont le jeter dans un trou. Mais Dieu ne lui montre pas ça. Dieu aurait pu lui montrer qu'il serait là, mais c'est parce que Dieu lui a montré. Yes. Les voies du Seigneur sont insondables. C'est pour faire le pain, il le jette dans un trou, dans le but de le tuer. Non seulement ça, après j'ai dit non, c'est notre frère. Il ne faut pas qu'on ait le sang de ce frère sur notre main. Pendant que les gens avaient leur projet de tuer Joseph, Dieu avait son projet aussi de faire passer des maniériques là. Laisse les projets des hommes, Dieu a son projet. Amen. Laisse les projets de tes ennemis, Dieu a son projet dans ta vie. Amen. Et ce jour-là, pourquoi ce jour-là? Les mondialistes passent juste à côté. Alors que c'est des nomades et c'est des hommes d'affaires. Les frères ont décidé de ne pas tuer leurs frères désormais, mais de le vendre. Joseph a vu qu'on devait le vendre. Dans ses songes, il avait vu ça? Non. Mais dans son songe, il a vu des gens se procéder devant lui. Amen. Vous pouvez voir la gloire de Dieu. Mais le chemin pour atteindre cette gloire, souvent Dieu peut vous le cacher. Amen. Et ça peut être contraire à ce que vous avez vu. Amen. Dieu a vu qu'il sera élevé, mais Dieu ne lui a pas montré le chemin par lequel il sera élevé. Amen. Mais frère, le chemin que Joseph a pris, peu de personnes aujourd'hui peuvent accepter ça. Amen. Amen. Et ce qui me plaît, quand vous lisez bien ces écritures, la Bible dit l'éternel fut avec lui quand on l'a jeté dans le trou. Amen. Quand on a vendu, l'éternel est avec lui. Mais l'éternel, si tu es avec lui, pourquoi tu ne le délivres pas? Pour le ramener auprès de son père. Parce que là où le Seigneur veut le conduire, il a son plan lui-même. Amen. Il a son plan lui-même. Où Dieu veut nous amener, Dieu veut nous amener loin et il a son plan. Nous, notre souhait, on veut que l'église se remplisse jusqu'à ce qu'on fasse, parce qu'on a encore de l'espace, faire le culte dehors avec des projections. Mais Dieu a son plan et il a son temps. Il a son plan, il a son temps.
Joseph, il a été vendu deux fois. Vendu et revendu. Les Madianites arrivent. Alléluia. Amen. En Égypte. On prend Joseph et on le positionne sur le marché. Toi, tu es assis ici. Si tu n'as pas mangé deux jours net, non, tu as affaire à ton pasteur parce qu'il n'a pas bien prié. Parce que tu n'as pas mangé deux jours, alors c'est parce que l'église, tu es, c'est parce que les gens pêchent. C'est pourquoi ta vie ne marche pas. Tu n'as pas mangé deux jours. Non, tu en veux à Dieu. Mais Joseph, vous croyez qu'un esclave a un roi? Un esclave peut dire non, j'ai soif, donnez-moi de l'eau. C'est qu'on vous explique que Joseph a été esclave, mais on ne vous dit pas qu'un esclave n'a pas le droit. Donc il a marché du désert jusqu'en Égypte, certainement même on n'a pas donné de l'eau à boire. Et si on lui donnait de l'eau, c'est pas parce qu'on l'aimait. Il fallait le garder en fond pour que le prix monte. Parce que vendre un esclave, il fallait qu'il soit dodu. Il faudrait pas qu'il soit ferme. Parce qu'on vient, on vient le scanner. Même la dentition, tout ça pour voir s'il n'est pas malade. Donc tout ce qu'on faisait pour Joseph, c'est pas parce qu'on l'aimait. Parce qu'on veut bien le vendre. Donc l'entretien, quand on lui donnait, mais c'est parce qu'on veut bien le vendre. Vous-même, quand vous achetez un mouton, le jour de fête, quand vous attachez le mouton, vous ne donnez pas de l'argent, la monture, les feuilles. Est-ce que c'est parce que vous l'aimez? Vous allez bientôt le manger. Hein? Quand vous achetez le poulet, quand vous l'attachez à la maison, est-ce que vous ne lui donnez pas de l'huile? Il y a des choses que le diable peut faire pour toi, pas parce qu'il t'aime, mais parce qu'il va bien te frapper de l'huile. Est-ce que vous connaissez les gens? Mais dans le cas de Joseph, Joseph va arriver chez Potiphar. Potiphar va remarquer la grâce dans la vie de Joseph. Mais alors que le plan de Dieu, Joseph va se contenter d'une suffisance. Et il était là, il jouait les gros. Il pensait qu'il était arrivé et qu'ils étaient là. Dieu va utiliser la femme de Potiphar pour chasser Joseph et le mettre encore en prison. Mais c'est quoi cette affaire-là? Alléluia. Amen. Joseph qui a dit qu'il va voir la gloire, d'abord il est dans un pays étranger. Il ne parle même pas la langue. Alléluia. Amen. J'ai été dans un pays arabe pour comprendre que la vie n'est pas facile. Quand vous voyez vos parents qui voient l'aventure, frère, si un des parents compte sur toi depuis l'aventure, t'envoie la jeune construire sa maison, ne bouge pas, s'il te plaît. Vous n'avez pas idée de ce que les gens subissent. Amen. Maman et moi, on est en train de rentrer dans une bijouterie. Quand les gens nous ont vu, ils ont fermé automatiquement. Le disclose, disclose. J'étais enragé, j'ai dit, mais lui-même, il ne sait même pas ce qu'il y a dans ma poche. Je peux payer même le budget que tu as là. Ça écoute quoi, ça va? Ça ne coûte pas la tête de l'homme. Voilà. Et les gens vivent son quotidien pendant chaque jour. Je parle à quelqu'un qui ne connaît pas l'aventure. Chaque jour, en train de crier, papa, en Europe, il ne fait rien pour moi. Frère, ton papa a des difficultés en Europe. Vous n'avez pas idée de ce que vos soeurs ont dû. Si tu envoies 5 francs, bénis Dieu de ce qu'il a pensé à toi. Amen. Pour avoir ces 5 francs, ce n'est pas facile. Notre guide était quelqu'un qui plaçait des milliards dans ses régalés. Mais ses amis ont monté un complot contre lui, il a perdu son travail. Et il a été en exil. Le directeur de la poste dans son pays, s'est retrouvé comme guide en Turquie. Tout ce qu'on paye là, il transporte ça, c'est dans sa main. Il marche avec nous. Il nous accompagne. Il nous montre ici. Je lui dis, va faire ceci, va faire cela. Il le fait. Pourquoi? Parce qu'il cherche l'argent pour ses frères au pays, pour construire. Et dans ça, il a envoyé 2000 à quelqu'un. La personne dit, mais depuis que tu es là-bas, là, qu'est-ce que tu fous là-bas? Mais c'est 2000, tu m'envoies. Est-ce que vous avez idée de ce qui vous endure? Un pays où même quand le gars le regarde comme ça, à la réponse, il a failli faire une guerre, déclencher une guerre mondiale.
Moi, je suis arrêté comme ça. Il y a trois gars qui sont là, qui veulent prendre des photos. Donc l'autre passe de l'autre côté et les trois gars sont derrière moi. Et puis le gars me dit, donc je cherche à qui il fait ça. Je me rends compte que c'est moi qui parle. What do you say? Shut your mouth, you shut your mouth, you crazy. Qui va se laisser faire? Alléluia. Alors encore un moment me dit, non, ne sais pas, non, il ne faut pas qu'il me parle comme ça. Bon, au lieu de partir en anglais et en français, lui parle anglais, moi je parle français. Chacun passe à l'heure. On ne s'entend pas, moi je parle. Je dis, mais tu es fou, viens m'enlever. Lui aussi parle là-bas. Avant tout, qui nous? Je dis, moi. À un moment donné, frère, qu'est-ce que tu fais? Je commence à soulever mon petit. Là, il est parlé. Donc, moi, c'est humain. Il va comprendre que c'est sérieux. Amen. Bon, moi je suis parti juste accompagner madame. On est allé juste pour finir de faire. On revient. Je ne suis pas dans l'aventure. Regardez ce que j'ai enduré. Et déjà, tu vis mon quotidien. Donc quand Dieu vous allez réussir là, ne pensez pas que les présidents là vont cotiser pour prendre l'argent, venir vous prendre, aller vous déposer dans la gloire. Non, il y a un chemin à parcourir. Amen. Et vous devez accepter. Il arrive par moi que Dieu lui-même, le travail qu'il a fait, il le détruit parce qu'il veut renouveler quelque chose. Amen. Dieu est un Dieu de renouvellement. Amen. Mais regardez même le serpent. Le serpent se meurt. Les ailes, à un moment donné, les plumes qui sont plus efficaces, ils vont se cacher dans les rochers plus haut. Et comment, qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte que leurs vieilles plumes tombent pour que ça repousse. Leur bec là, ils tapent ça sur le rocher jusqu'à ce que ça se casse. Pour que ça repousse à nouveau. Dieu est un Dieu de nouveauté. Amen. Et ce qu'il fait, il le renouvelle. Amen. C'est pourquoi ses alliances se renouvellent. Amen. Bien-aimé, et ce peuple qui se lamentait, verset 15, car tes serviteurs en aiment les pierres et en chérissent la poussière, alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre. Oui, l'Éternel rebâtira Sion. Ah, alléluia. Amen. Quand on parle de rebâtir, on parle de quelque chose qui a été détruit. Amen. Quelque chose qui a été détruit, non seulement détruit, mais elle a été en ruine. Pour dire que ce que Dieu a bâti, mais qui a été détruit, elle sera rebâtie. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui a fait le pouvoir de le faire. Amen. J'ai écouté le message de Paul à travers le dimanche passé. Il faut que nous ayons de nouvelles perspectives. Amen. De nouvelles façons de voir les choses. Changer de méthode et de stratégie. Amen. C'est à ça que Dieu nous appelle. Amen. Si tout marche, et c'est pas parce que tout marche autour de vous que Dieu est dedans. Amen. C'est pas parce que tout est compliqué aussi que Dieu n'est pas dedans. Amen. Ça peut être compliqué, mais c'est Dieu qui a la base. Amen. Tout peut marcher, tout peut être bien, alors que c'est le diable aussi qui a la base. Amen. Dans une famille, s'il n'y a pas de complications, c'est que ce n'est pas les humains. Amen. Dans une famille, s'il n'y a pas de complications, c'est que ce n'est pas les humains. Et puis laissez-moi vous dire, vos propres enfants que vous avez mis au monde, vos propres enfants, vous aurez des préférés. Ça va se poser à vous. Amen. La Bible dit que l'Éternel a aimé Jacob, il a eu Esaü. Les deux étaient dans le ventre, ils n'étaient même pas encore nés. Quel est le mal qu'Esaü a fait? C'est un choix. Et c'est naturel. Donc, excusez-moi. Si par moment, d'autres pensent que j'aime d'autres plus que d'autres. Souvent même, tu ne fais même pas ça à moi. C'est naturel comme ça.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on permet aussi, à cause de l'ancienneté. Alléluia. Amen. Quand vous voyez un père, vous châtiez dur, avec toute la rigueur, c'est parce qu'il a de l'amour pour vous. Amen. C'est parce qu'il a beaucoup d'affection. Il y a des hommes comme nous là. Nous, on n'est pas froid. Nous, on n'est pas froid. Les gens de ma nature, on n'est pas froid. Quand c'est pas bon, on te dit c'est pas bon. Mais les gens comme nous, quand ils voient qu'ils ne te parlent plus, ils ne te disent plus rien, ça veut dire qu'ils t'ont rejeté. Amen. Et ces personnes-là, il faut savoir les connaître. Mais quand tu vois des gens comme nous te dire, te parler, même tu es frustré, mais tu vas comprendre que cet homme est en train de t'amener à changer. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui ne maîtrise pas. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Donc par moment, des gens ne comprennent pas ça. Ils voient ça comme une haine, ils voient ça comme un mépris, ils voient ça. Non! Même si nous sommes en train de vivre, il m'arrive souvent de croire que Dieu est en train de mépriser. Parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Non. Et après, c'est là que je comprends que non. Dieu m'aime autant. Amen. Dieu m'aime beaucoup. Amen. Il y a quelque chose que je ne perçois pas. Mais il veut que je perçois ça. Donc il accentue la chose. Amen. Yes. Et j'ai dit à ma femme que je crois que j'ai négligé beaucoup de choses. Il faut remettre la pendule à l'heure. Sinon, sera rebâti. Amen. Je me dis à quelqu'un ce matin que ta mort sera rebâti. La cité de ta mort sera rebâti. Et je me parle à quelqu'un ce matin. Les rues de Jérusalem, les rues de Sion, les rues de Bethléem, les rues de la cité de Canaan seront rebâties. Il y aura de nouvelles personnes, il y aura des personnes fortes. Parce que l'Éternel est un Dieu de renouvellement. Amen. Il y a un temps comme ça. Le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu véritable. Pour nous là-même, là, c'est un arrêt. C'est... Pour nous, c'est un à un. Les gens, ils se vont un à un. Mais le Seigneur, sur le même jour, oui, il a perdu tout le monde. Amen. Quelqu'un qui fait son culte, il y a 7000 femmes, hommes, sans compter les femmes. Un culte, un programme. Est-ce que vous voulez ce genre de Dieu? Quelqu'un, quand il fait son culte, il y a 7000 hommes. Tu as une très belle montre. Que Dieu te bénisse. Amen. Les bonnes choses, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Désirez ce qui est meilleur. Hein? Ne haïssez pas la richesse et la gloire. Sinon, ça ne viendra pas. Amen. Et puis, ne maudissez pas ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont riches. Amen. À la limite, si tu es trop fâché, tu dis, Seigneur, fais-moi comme celui-là. Oui. Et tu le seras. Amen. Soyez positif. Amen. Sion sera rebâti. Ma fille, prends ta parole. On regarde le 17. Oui, verset 17. Verset 17. Oui, l'Éternel rebâtira Sion. L'Éternel fera quoi? Rebâtira Sion. Fera quoi? Rebâtira Sion. Rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. Alléluia. Amen. L'Éternel va quoi? Se, non seulement rebâtir, mais il va se montrer dans sa gloire. Yeah. Il va se montrer dans sa gloire. Amen. Pour rebâtir Sion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rebâtissement de Sion va se passer par la gloire du Seigneur. Amen. Frère, la gloire du Seigneur sera manifestée en ce lieu. Amen. Nous avons
n'importe qui ici. Amen. Quel que soit son cas. Amen. Parce que l'Éternel a décidé de rebâtir Sion. Amen. Alléluia. Amen. De rebâtir Sion. Oui, on y va. Verset 18. Amen. Il est attentif à la prière du misérable. Alléluia. Amen. Vous voyez, le peuple de Canaan va comprendre que Dieu est toujours attentif de la prière quoi, du misérable. Alléluia. Amen. Si tu te sens misérable, tu sens que tu es abandonné et que quelqu'un ne t'aime pas, ne te rejette pas toi-même. Lève la voix de prière parce que tu es attentif. C'est que c'est une période favorable. La période dans laquelle nous nous trouvons, elle est favorable quoi? Pour que Dieu écoute nos prières. Donc tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Serviteur de Dieu, servant du Seigneur. Nous sommes dans une période où Dieu veut nous entendre plus parler. Parce que c'est une période très sensible. Amen. Où il écoute la voix. Et je crois en vous. Je crois sérieusement en vous. Amen. Et je sais qu'avec vous, nous irons très loin. Amen. Quelqu'un ne me dit pas bien. Amen. Alléluia. Nous irons très loin. Amen. Si notre Seigneur lui-même est passé par là, mais les dimanches, on n'a jamais fait un culte où on est tous. Même quand bien même que les gens deviennent souvent, mais on n'est jamais descendu jusqu'à 12. Mais je vous apprends que Jésus, celui que nous adorons, celui pour qui nous sommes réunis chaque jour, celui en qui nous croyons, il a fait un culte où c'est même pas le lendemain après sa prédication. Pendant la prédication, tout le monde est parti, il est resté 12 personnes auprès de lui. Amen. Humainement parlant, il s'est senti frustré. Lisez Jean 6 à partir de verset 50 jusqu'à 70. Il a posé la question, mais vous, allez-y aussi. Allez-y aussi. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens ont tendance à dire que non, Jean était la personne que Jésus aimait beaucoup. Mes frères, si vraiment Jean était la personne que Jésus aimait beaucoup, mais c'est à lui que Jésus allait confier le ministère. Alléluia. Amen. Parce que celui qu'on aime beaucoup, on lui confie beaucoup de responsabilités. Amen. Contrairement à Pierre qui n'était pas aimé comme les gens le disent. Il ne suffit pas de se coucher dans la partie du Seigneur pour croire qu'on est aimé par le Seigneur. Il y a des gens qui aiment bien les carrés. Donc ils en demandent. C'est pas le Seigneur qui partait prendre Jean pour venir le coucher dans sa partie, mais c'est Jean qui venait se coucher. Ah. Parce qu'il était non seulement le plus petit. Donc, affectueusement, le Seigneur lui conseillait cela. Mais celui que le Seigneur aimait plus, c'est celui qui avait la connaissance du Dieu vivant. Amen. Il dit, les gens parlent de moi. J'entends trop de choses. Les gens racontent beaucoup de choses. Les gens disent beaucoup de choses qu'ils n'ont pas le courage de venir me dire. Mais ils en parlent entre eux. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, j'ai appris beaucoup parler des choses. Mais vous, que dites-vous que je suis? Vous voyez, à un moment donné, le Seigneur ne s'intéresse pas à ce que les gens disent dehors. Mais il veut voir son peuple, ses enfants. Qu'est-ce qu'il pense de lui? Pierre a pris la parole. Il dit, tu es le fils de Dieu. Amen. Qu'est-ce que les gens disaient de lui? On dit que c'était un menteur. Les gens disaient que le miracle qu'il fait, c'était faux. Il le faisait par le pouvoir de Belzébul. Les gens disaient que non, c'était un blasphémateur. Les gens disaient que c'était un escroc, un troubleur de tout, un troubleur de fou. De, oui, fouteur de troubles, merci. Et les gens disaient que il mangeait avec des gens de mauvaise vie. Il buvait avec eux. Voici ce que les gens racontaient de lui. Il dit, oui, j'ai entendu tout ça, je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Mais vous,
Comment vous me voyez? Amen. Vous, qu'est-ce que vous dites de tout ce que j'entends? Pierre n'était pas le plus instruit. D'abord, il n'était pas dans l'école. Il était le moins instruit parmi eux. Connaître le Seigneur, ce n'est pas une affaire intellectuelle. Savoir lire, connaître l'éternel, c'est une affaire spirituelle. Amen. Dieu est esprit. Amen. Donc pour le connaître, il faut être toi-même esprit. Amen. C'est une affaire d'esprit. Amen. Avec élégance, il s'est levé et l'a dit, tu es le fils de Dieu. Amen. Jésus a pris la parole et a dit, ce que tu viens de dire ne vient pas de toi. Amen. Parce qu'un homme normal ne peut pas dire ça. Ce que tu viens de toi, tu viens de dire, viens directement du trône de mon Père. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Viens directement du trône de mon Père. Mon Père. En même temps que je parle de la cité de Canaan, mais je parle individuellement à chacun. Amen. Ta vie sera reconstruite. Amen. Elle sera repartie. Amen. Les choses vont changer. Amen. Ne perds pas courage. Amen. On a pris Joseph. On allait le déposer en prison. Frère, où est passé les songes que le monsieur la faisait? Quelqu'un qui a vu comment on devrait se procéder devant lui se retrouve en prison. En train de manger des nourritures bizarres, frère. Sans sel. Souvent même si celui qui cuisine est contre vous, il met beaucoup de piment dedans. Alléluia. Mais ce qui était vérité, c'est que la Bible, l'Éternel fait en sorte que Joseph trouve grâce aux yeux de toutes ces personnes dans le passé. Amen. Tu n'as pas remarqué que les difficultés que tu vis, les situations compliquées que tu traverses, mais Dieu fait en sorte que des gens de bonne volonté sont sur ton chemin. Amen. Tu ne regardes pas ça. Amen. Tu es tellement concentré sur ta situation que tu ne vois pas ce que Dieu fait autour de toi. Amen. Dieu fait trop de choses. Amen. Enlève un peu tes regards sur les difficultés, mais regarde comment Dieu te fait traverser ces difficultés. Amen. Alléluia. Ma fille, tu n'as pas eu le bac. Que Dieu te fortifie. Mais est-ce que ça t'empêchait de louer le Seigneur? Ça t'empêchait de chanter le Seigneur? Mais tu ne vois pas la grâce que Dieu t'a faite. J'ai montré une image à mon carré. Un jeune homme en Côte d'Ivoire n'a pas eu le bac. Il allait monter sur les fils de courant, le poteau. Il s'est jeté à terre, il est mort. Parce qu'il n'a pas eu le bac. Vous voyez que vous deux, vous n'avez pas eu le bac. Mais lui, il s'est donné la mort, mais toi, tu vis. Amen. La force qui t'a maintenu à voir le dessus, à vouloir te tuer, te suicider, ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un vous dit. On t'a divorcé. D'accord, mais tu es en vie. Amen. Tu es là. Il y a d'autres qu'on a divorcé ce jour-là, ils ont pris les comprimés. Elles se sont donné la vie, la mort. Mais toi, tu ne vois, tu vois seulement le divorce, mais tu ne vois pas comment Dieu t'a maintenu. Tu ne vois pas ce que tu as fait jusqu'à ce que tu n'as pas eu l'idée d'aller te suicider. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Tu es allé jusqu'à dans le combat. Tout le monde dira c'est fini. Et tu es revenu la vie. Alors qu'il y a des gens, on a mangé avec eux hier soir. Le matin, on nous a annoncé qu'ils sont morts. C'est vrai. Dieu fait grâce. Amen. Dieu renouvelle. Amen. Dieu rebâtit. Amen. Terminons. Oui. Verset 19. Que cela soit écrit pour la génération future. Que cela soit quoi? Écrit pour la génération future. Alléluia. Bien aimé, tu as bien compris ça. Parce que c'est là que tout mon thème, mon message. Oh, c'est trop beau ce verset-là. Qu'est-ce qui doit être écrit? Amen. C'est, quand vous dites que cela doit être écrit, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit rester dans les annales. Amen. Qui doit être inscrit dans le cœur de quelqu'un, dans la pensée de quelqu'un. Qu'est-ce qui doit être écrit ici? Dieu repartit la Sion.
C'est une manière de dire, notez ça. Yes. Parce que ce que Jean te dit va s'accomplir. Amen. Et dit que cela soit écrit pour les générations futures. Pour que demain, quelqu'un puisse dire, oui, papa nous avait dit ça, que cette église remplira. Allez, écrivez ça chez vous. Sur un mur, dans un calepin, partout où vous voulez. Écrivez ça. Écris, tu voudras dire. On ne veut pas que cela soit oublié. Sion sera rebâti. Ta vie ruinée sera rebâti. Tu seras restauré. Alléluia. Tu seras restauré. Que les gens retiennent cela. Ce que je dis ce matin arrivera. Amen. Il le dit encore. Et que le peuple qui sera créé. Parce que quand le Seigneur sera venu le rebâtir Sion, il va recréer un nouveau peuple. Mais c'est quel peuple qui va recréer? Le peuple qui célèbre l'Éternel. Amen. Dieu, quand il voit qu'un peuple stagne et que le peuple ne l'adore plus, ne le célèbre plus, il crée des cafouillages. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple de murmures. Quand ils viennent se critiquer, se murmurer, raconter des choses, des bobards. Quand Dieu voit ça, il détruit ce peuple. Parce que Dieu veut un peuple en grandeur. Amen. Pourquoi? C'est pour cela qu'il dit, écrivez ceci. Gravez-la dans le cœur, sur les tables. Pour des générations futures. Quelle génération? Dieu veut susciter une nouvelle génération. Amen. Mais quelle est cette génération? Une génération d'adorateurs. Amen. Des personnes qui seront célébrées Dieu. Ce n'est pas des personnes qui vont soi. Non, des personnes qui rentrent dans la maison du Seigneur. Dès qu'elles rentrent, elles s'asseyent. Et bien sont priées, même quand le pasteur n'est pas là. Seigneur, je te remercie. Je te bénis parce que tu as mis mes pieds dans cette église. Je suis là pour te louer. Je suis là pour t'adorer. Sois magnifié, sois glorifié. Sois célébré. Sois célébré. Sois célébré. Voici ce peuple que Dieu va se créer. C'est pour cela que ce matin, je suis venu dire, il y a quelqu'un à la cité de Canaan. Le nom de la cité de Canaan va changer. Amen. Ça ne changera pas. Amen. Mais le peuple de la cité de Canaan changera. Jean, le chapitre 4. Ce nouveau peuple. Dieu veut un nouveau peuple. Mais il dit quoi? Ce peuple doit être créé. Hein? Qui l'a parlé? Il est où? Vraiment, si tu pouvais me faire comme ce qu'il t'a fait là. Me limiter comme ça. Pourquoi vous riez? Je suis chaud, quoi. Et qu'on ne peut pas me limiter aussi. Mais si on ne peut pas limiter, on peut limiter à moi. Dieu ne donne pas tout. Même s'il donne tout, mais il reprend ça. Sinon, moi, j'aime beaucoup les chiens. Oui, mais c'est la pièce. On n'est pas aussi jeune quand même. Amen. Amen. Dieu va rebâtir. Ne sois pas découragé de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur rebâtira. Amen. Ton fils, ta fille qui t'est désobéie, Dieu va restaurer ta famille. Amen. Dieu va restaurer ta maison. Amen. Il va restaurer ton mari. Amen. Il va restaurer ta femme. Amen. Il va restaurer tes activités. Amen. Et il veut que tu retiennes cela. Parce que Sion ne sera pas délaissé. À jamais. Sion sera rénové. Alléluia. Amen. Jean le chapitre 4, je vais terminer avec ça. Parce qu'il dit quoi? Un peuple qui va créer. Il n'a pas dit un peuple qui va fabriquer. Amen. Vous n'avez pas compris? La fabrication et la création, c'est deux choses différentes. Yeah. C'est quoi une création?
le Dieu ex nihilo, qui crée à partir de rien. Mais fabriquer, c'est prendre le matériel qui existe pour transformer. Donc ça veut dire que la façon dont ça va se passer ne dépend pas de nous. Mais va dépendre tout simplement parce que nous saurons l'adorer. Amen. Et si nous adorons véritablement le Seigneur, alléluia, Amen. Le Seigneur, il veut un nouveau peuple, mais un nouveau peuple d'adorateurs. Un nouveau peuple qui pourront le célébrer. Alléluia. Amen. Vous êtes dans Jean 4? Oui. Vous y êtes? Amen. Tu as fréquenté. Hein? Hein? Voilà. C'est ça même. Ça, c'est des choses. C'est à l'école. Quand le maître rentre comme ça, vous y êtes? Nous y sommes. Amen. N'ayez pas honte de faire ce qui est bien. Alléluia. Lisons le verset 21 jusqu'au verset 24. Jean 4, verset 21. Il est écrit. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Mm-hmm. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Vous voyez le problème? Le problème, c'est que les gens adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas Dieu veut l'adorer. C'est ça le problème. Ils viennent à l'église, ils ne connaissent pas Dieu. Le frère vient à l'église, il lâche l'homme dans la bouche. Et puis lui se met là. Bah, bah, bah. Alléluia. Est-ce qu'il connaît Dieu? Même dans la démonstration, quand on rentre, on va avec le chinois. Dans l'administration, quand il rentre, tu dois mettre ton téléphone sur silence. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toutes ces choses-là, les hommes même respectent ça. Yes. Mais un adorateur qui connaît Dieu, quand il rentre dans la maison du Seigneur, il commence d'abord par s'incliner. Il dit, ma maison sera une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs. Les marchands sont revenus encore, ceux que tu as chassés. Auparavant. Aujourd'hui, on vend l'eau, on vend huile, on vend parfait, tout ça à l'église. C'est les marchés que Jésus avait chassés. Amen. On vend tout. Moi, je crois aux actions prophétiques. Mais une action où un homme peut aller acheter sa bouteille d'eau et venir faire consacrer par un homme de Dieu. Je crois à ça. Mais où l'homme de Dieu paye des bouteilles d'eau? Alléluia. Amen. Il paye lui. Et il vient mettre dans la petite bouteille pour les vendre chaque jour. Moi, je ne crois pas en ça. Il peut arriver que par inspiration, l'homme de Dieu peut demander, merci. L'homme de Dieu peut demander ou peut poser une action. Un jour, en passant comme ça, il dit bon. Ceux qui veulent participer, par exemple, on peut faire, je veux dire, on est en train de certainement vouloir acheter un terrain. Et puis bon, les ventes aux enchères, on peut organiser ça comme ça, parce que dans l'état de moisson, on le fait. Alléluia. Amen. Mais que cela devienne une habitude, c'est pas bien. C'est un commerce. Amen. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis? Amen. C'est un commerce. Tu peux payer ta bouteille, tu viens, je consacre ça. À la fête, si tu me donnes une offrande, c'est volontaire. Alléluia. Amen. Tu payes ta bouteille d'eau, tu viens, je bénis ça. Tu mets une offrande, c'est volontaire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais toutes ces choses-là, il dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons un Dieu que nous connaissons, car le salut vient. Des Juifs. Avant que
les hauts lieux, les fétiches. Mais regardez ce qu'il m'a dit après. Continue. Verset 23. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Alléluia. Amen. C'est conjugué en combien de temps? Hein? C'est conjugué en combien de temps la phrase? Il y a le futur et le présent. Il y a d'abord le futur. Il y a aussi le présent. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Ça vient pour ceux qui n'ont pas encore pris conscience que c'est maintenant. Ils comprendront plus tard. Mais pour ceux qui ont pris conscience, c'est votre temps maintenant. Amen. Si tu penses que ton miracle, c'est dans 10 ans, ça va venir. Mais si tu penses que c'est maintenant, amen, alors reçois cela au nom de Jésus. Si tu penses que c'est dans 10 ans, tu vas te marier, ça viendra. Mais l'heure est déjà venue pour ceux qui croient que c'est maintenant. Si vous pensez que le réveil, c'est dans 5 jours, 5 mois, non, maintenant, je crois que c'est maintenant et c'est en ce moment que le Seigneur veut le faire. Et il veut le faire avec toi. L'homme vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs? Où les vrais adorateurs? Les vrais, vous voyez? On ne dit pas les adorateurs. On précise parce qu'il y a le faux aussi. Il est question des vrais adorateurs. C'est pas tous les adorateurs, mais les vrais. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père. Ici on dit demande. Vous voyez? Dieu a l'habitude de donner. Mais il demande aussi. Amen. Est-ce que tu peux lui donner ça? Amen. Il t'a trop donné. Mais aujourd'hui, il te demande. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande que tu sois un vrai adorateur. Il demande que tu sois un vrai adorateur. Dans d'autres termes, il la recherche. On recherche quelque chose qui est rare, quelque chose de perdu, quelque chose qui n'est pas à notre portée. Amen. Dieu cherche. Il ne demande pas seulement, mais il cherche. Et quand il trouve, il demande. Amen. Cherchez, vous trouverez. Demandez, l'on vous donnera. Vous aimez bien ce verset, Matthieu 7, 7. Mais Dieu aussi demande. Il dit, c'est là les adorateurs que le Père demande. Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Amen. Pour l'adorer sincèrement? Amen. Est-ce que le Seigneur peut compter sur vous pour le louer? Amen. Pour le célébrer? Amen. Pour l'exalter? Alléluia. Amen. Dimanche prochain, il n'y a pas de prédication ici. Alléluia. Amen. Dimanche prochain, il n'y aura pas de prédication. Ça serait un culte de célébration. Louange, adoration. Louange, adoration jusqu'à la fin. Le groupe musical se prépare pour ça. Il n'y a pas de prédication dimanche prochain. On va célébrer le Seigneur. Amen. On va louer Dieu. Amen. On va dire au Seigneur, il nous a trouvés. Il a cherché, il a trouvé. Amen. Il a demandé, on lui donnera. On va le louer. Nous bénirons l'Éternel. Nous célébrerons l'Éternel. Même si nous sommes deux, nous chanterons. Ils étaient deux. Ils ont chanté. Adoré, loué. Les murs se sont effondrés. Les chaînes sont tombées. Les lions étaient rompus. La louange, la célébration de Dieu est la plus grande chose. Dieu veut des adorateurs. Amen. Des vrais. Amen. Mais qu'il adore en esprit. Amen. Et qu'il adore en vérité. Amen. En esprit, ça veut dire quoi? Quand tu viens à l'église, tu n'as pas besoin que le pasteur soit assis là-bas. Pour que tu sentes que Dieu est là. Amen. Quand on est revenu du voyage,
quand je dois sortir, je viens chaque matin me prosterner ici pour parler à Dieu. Parce que je sais qu'il est là. Il est dans ma maison, il est dans ma chambre. Je l'ai prié là-bas. Mais quand je viens encore dans sa maison pour le faire, c'est de façon solennelle. Parce que tu as une demeure. Quoi qu'il est partout, mais il a une demeure. Et c'est ça, connaître Dieu. Amen. Quand vous rentrez dans la maison du Seigneur, tout ce qui doit vous animer, c'est d'ouvrir votre cœur, de le chanter, de le célébrer, Amen. De l'exalter, Seigneur, de reconnaître qu'il est le Dieu vivant. Tu es Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh oui, tu es pour t'adorer, pour te célébrer. Seigneur, le dimanche prochain sera un jour de départ, de célébration, de louange et d'adoration, de gloire. Alors, Seigneur, nous voulons que tu sois au rendez-vous pour la gloire de ton nom que nous t'avons prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, nous avons parlé de Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Mais des adorateurs d'un peuple renouvelé, un peuple recréé. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je vais laisser ma fille ce matin venir dire un mot. Alléluia. Viens ma fille.